Navette. N'en déplaise à la NASA, la navette est une invention marseillaise du XVIIIe siècle. Ce mot vient du latin navis, qui signifie bateau. Mais on a traité de navette tout ce qui avait plus ou moins cette forme oblongue et pointue. La légende veut qu'après la crucifixion, Marie-Madeleine, Marie-Salomé, Lazare et quelques autres fuirent à bord d'une navette et traversèrent la Méditerranée sans voile ni rame jusqu'au Sainte-Marie de la Mer. D'où le nom de la plage d'ailleurs. Mais c'est en 1781 qu'un pâtissier marseillais du nom de Averrousse eut l'idée de donner à son biscuit à la fleur d'oranger la forme et le nom de la navette afin de célébrer cet événement et surtout de concurrencer les fameuses crêpes de la Chandeleur. Et chaque année, le 2 février, des centaines de personnes viennent acheter les navettes bénies à la sortie du four. Mais à Marseille seulement, parce que dans le reste de la France, ce sont les crêpes qui ont gagné. À mon avis, Monsieur Averrousse s'est trompé de célébration. S'il avait choisi de commémorer une fête comme l'Ascension, nul doute que ces navettes auraient connu une vraie gloire nationale. Ben oui, une navette, c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour aller au ciel.